Je remercie infiniment le Seigneur d'avoir délivré de l'échec scolaire. Au niveau scolaire, j'avais repris la classe de troisième, la classe de seconde. Et je m'asseyais, je commençais à réfléchir, j'ai dit vraiment, troisième, seconde, première. Et c'est lors du renversement des principautés personnelles, session 2015, que Dieu m'a délivré et a montré le nœud. Où était caché le problème? C'est une femme qui était à l'origine de ce problème-là. Et les jours sont passés, et cette année 2016-2017, puisque j'avais maintenant été admis en classe de terminale D, terminale scientifique. Par la grâce de Dieu, j'ai fait un parcours que ce, excellent que ce soit au premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Et par la grâce de Dieu, au vert bac de cette année 2017, j'ai pu avoir ce bac-là, j'ai été admis. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je suis la sœur Lydie Goué. Alléluia! L'année passée, quand on renversait les principautés, je m'appelais Lydie Koné. Alléluia! Acclamons pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu! Après 17 ans passés en Christ, beaucoup de prières, beaucoup de supplications, beaucoup de larmes. Alléluia. L'année dernière, pendant la croisade de renversement des principautés, un soir, on a prié pour juger les esprits de célibat, pour libérer les mariages. Ce jour-là, le pasteur Meunier est venu arrêter ici, devant les semeurs. Il a jugé l'esprit de célibat. Il a chassé, il a prié. J'étais convaincue qu'il était en train de prier pour moi. Gloire à Dieu. Effectivement, quand on est monté au bureau, il m'a dit, tu es délivré, tu vas te marier. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Et quelqu'un d'autre avait partagé qu'il a vu les diplômes descendre pendant la croisade. Le Seigneur m'a béni. Il m'a donné d'abord le doctorat. Chaque fois, mon directeur de thèse dit, il faut que tu soutiennes avant la fin de l'année. L'année passe. On commence une autre année. Elle passe. Et en 2016, il avait trois doctorants qu'il voulait libérer. Et j'étais troisième sur sa liste. Gloire à Dieu. Et de façon miraculeuse, Jésus m'a ramené à la première place. J'ai été la première à soutenir sur les trois. Alléluia! J'ai soutenu en décembre. Celui qui était programmé pour soutenir le premier a soutenu en janvier 2017. Le deuxième qui devait soutenir, c'est aujourd'hui qu'on a envoyé la lettre d'instruction de sa thèse dans la boîte du professeur. Donc c'est maintenant qu'on va déposer sa thèse en instruction. Gloire à Dieu! Donc, le Seigneur m'a mise à la première place. J'ai soutenu le 13 décembre. Et ce n'était pas suffisant. Le 25 janvier, j'ai été présentée ici avec un merveilleux prince. Alléluia! Jésus-Christ. C'était une présentation exceptionnelle. Et le 18 mars, nous nous sommes mariés. Gloire à Dieu! Amen. Le Seigneur est fidèle. Tout ce qu'il a promis pendant le renversement des principautés, il me l'a accordé. Je vais lui dire merci pour mon diplôme qu'il m'a donné, pour l'époux qu'il m'a donné. Que toute la gloire lui revienne. Je suis le frère Biaï Charles, disciple du pasteur Meunier Boniface. Ce soir, je vous ai dit merci au Seigneur, lui rendre grâce. Parce qu'il a glorifié son nom dans notre famille. Alléluia. À travers ces enfants que nous sommes. Frère, dans la famille, nous étions tous baptistes. Jusqu'à ce que je grandisse. Et en 2003, j'ai rencontré l'évangile de la vraie repentance. Et je me suis repenti. Et j'ai quitté là où j'étais. Et quand je suis sorti de là, j'étais devenu l'ennemi de tous mes parents. En tout cas, c'était difficile. Jusqu'à ce qu'un jour, j'appelle mon oncle qui m'avait baptisé en 94 pour le saluer. Et il me demande qu'est-ce que j'étais devenu. Il dit non, je ne suis rien devenu encore. Alléluia. Parce qu'il s'attendait au fait que vraiment j'ai quitté Baptiste,
je n'allais pas réussir. Et en 2006, je devais présenter un concours. Et un parent qui m'a appelé pour me dire, voici une occasion, voici, fais tel papier, je vais t'aider à ce que tu réussisses au concours. Je lui ai dit, non, moi je suis un enfant de Dieu, j'ai cru en Jésus, et que ces choses, je ne fais plus ça. Et il a appelé mon père pour lui expliquer. Et mon père s'est fâché. Il m'a appelé du village pour dire, toi qui tu as vu dans Abidjan, qui a réussi sans passer par la corruption. En tout cas, il m'a insulté bien. Je lui ai dit qu'en tout cas, moi, je suis un pasteur, je ne peux pas le faire. Alléluia. Et après ces choses, Dieu m'avait parlé. Il m'a dit de présenter le concours de l'éducation supérieure et qu'il avait donné le succès. Et c'était en 2006. Et effectivement, en 2008, Dieu l'a fait. Et j'ai été deuxième au cycle supérieur en toute la Côte d'Ivoire. Alléluia! Acclamons pour Jésus-Christ. Ça a fermé la bouche de tous ceux qui se moquaient de moi parce que j'avais changé d'église. En tout cas, dans la famille, nous sommes aujourd'hui 8 à avoir le bac. Et parmi tous ceux qui travaillent, je suis le plus grand parmi eux. Alléluia! Par la grâce du Seigneur. Et quand j'ai commencé à travailler, le dernier garçon, le neuvième garçon de la famille est venu habiter chez moi. Et quand il venait, ils ont mis dans sa tête que s'il vient à Abidjan, en tout cas, il ne faut même pas qu'il va fréquenter la même église que moi. En tout cas, ils ont mis tout dans son esprit. Donc quand il est venu, il était en troisième. De la sixième en troisième, en tout cas, il était brillant. Les 13 au moins, 14 au moins, lui, il avait dit qu'il trichait. Et quand il est arrivé, après quelques mois, il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Et en troisième, il n'a plus eu les 14, 13 de moyenne, il a eu 12 moyennes, je crois qu'il a eu ses moyennes normales, jusqu'à ce qu'il arrive en terminale, il a repris la terminale. Et mon papa s'est levé pour dire que, est-ce que je ne l'amène pas à l'église, est-ce qu'on parle beaucoup de choses, c'est à cause de ça qu'il a échoué. Or, tous mes frères avaient fait au moins le bac, au moins deux fois, ou même certains quatre fois. Alléluia. Et l'année passée, quand il a échoué, il a repris cette année. Et par la grâce du Seigneur, frère Dieu a produit le miracle. Cette année, il faisait le bac la deuxième fois et il y avait un de ses grands frères qui faisait la quatrième fois. Et cette année, lui, il a eu le bac avec 290 points. Acclamons pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et son grand frère qui présentait le bac pour la quatrième fois a eu 205 points. Et vraiment, nous avons vu la main de Dieu. Et avant le bac, il avait présenté un concours international de l'UEMOA. Et il s'est inscrit pour être urbaniste. Et hier, le résultat est sorti. Il est deuxième au niveau international. Il est deuxième au niveau de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Frère, j'ai vu la main de Dieu. Tous ceux qui se plaignaient, qui parlaient, frère, Dieu a fermé leur bouche. Alléluia. Moi, j'ai été deuxième au niveau national et le plus grand de la famille. Et lui, il a été deuxième au niveau international parce que c'est au niveau de lui et moi. Il est deuxième. En tout cas, c'est le premier étudiant qui va sortir du pays. Alléluia. Il y a un enfant de Dieu qui est un disciple dans la famille. Je veux dire merci au Seigneur pour cette grâce, pour son nom qu'il a glorifié dans la famille. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Moi, c'est la sœur Camille Natège. J'adore à la cité Sako 2. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur des anges. Le mardi, nous sommes allés à la prière. Les renversements des principautés à la cité CIE. C'est dans ça qu'on a commencé à prier. J'ai commencé à avoir le vertige tout d'un coup. En tout cas, je ne savais pas ce que c'était. Et le vertige persistait. C'est dans ça que j'ai dit à mon fils, il faut m'appeler maman Aubry, que ça ne va pas. Je n'arrive pas même à respirer. Et c'est comme ça qu'il a appelé maman Aubry. Elle est venue. Elle allait appeler le pasteur ange. Dès que le pasteur est arrivé, il a commencé à prier. Je ne pouvais plus respirer. Il a commencé à prier. Il a commencé à juger les esprits. Et il demandait, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tout d'un coup, j'ai vu un gros serpent noir. Il disait que lui, il était le serpent des jumeaux. Que c'est lui qui était derrière moi. Ce serpent-là me fatiguait. Et pasteur Ange a commencé à prier avec les autres pasteurs. Ils ont commencé à prier, juger. Et ils refusaient de partir. Parce que ma mère avait, comme on appelle même, adoré les jumeaux. Nous, on n'a jamais fait ça.
mais c'est ma mère qui adorait. Et ce serpent-là me fatiguait, il refusait de sortir. Et c'est comme ça, les pasteurs ont commencé à prier. Et je me suis levée, je me suis assise. Pasteur Ange parlait, il me disait, dis Seigneur Jésus, mais je n'arrivais même pas à répéter. J'avais la gorge qui était serrée d'une manière, je ne pouvais même pas prononcer Seigneur Jésus. C'est après maintenant que j'ai dit, ah, je veux boire l'eau. Maman me dit, pas question. Tant que tu n'as pas dit Seigneur Jésus. Et je ne pouvais même pas. C'est après ça maintenant, l'Esprit m'est venu. J'ai commencé à dire Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. Papa dit donc, dis Seigneur Jésus. Et j'ai répété après lui, Seigneur Jésus. Et ils ont prié, ils m'ont relevé dans la victoire. Je suis allée m'asseoir, on a commencé à prier. Quand le pasteur Basile a dit de prier pour arracher les bénédictions, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. C'est comme si je voyais le serpent qui passait tout le long de ma chaussure. Et j'ai commencé à juger ce dernier. J'ai commencé à juger, le condamner dans les abîmes. C'est ainsi que ce serpent-là est parti. C'est comme s'il était tombé dans la mer. Et les vagues l'ont emporté. Le serpent est parti jusqu'à rentrer. Avant de rentrer dans les palmiers, il a commencé à rendre. C'est comme s'il y avait des cadeaux qui sortaient de sa gueule. Il a commencé à rendre. Et ce serpent-là est rentré dans les palmiers là-bas. J'ai commencé à le condamner. J'ai dit que je te juge, tu es condamné, je te condamne dans les abîmes. Au Alléluia. Nom de Jésus-Christ. J'ai commencé à prier, ce serpent est parti. Et j'ai prié. Je n'ai plus vu ce serpent-là. Je vais bénir le nom du Seigneur. Lui qui a fait que ce serpent est parti. Pendant le renversement des principautés, lui qui m'a délivré. Je vais lui dire merci. Au nom de Jésus-Christ, amen.
nos Bibles dans le livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Proverbe 18, versets 20 à 21, français courant. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Amen. Job 38, versets 1 et 2. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ce soir, chacun va se repentir de toutes mauvaises paroles sorties de sa bouche, des plaintes, des murmures. Tes paroles ont obscurci le plan de Dieu pour toi. Quand tu parles, c'est le désespoir. C'est la moquerie, c'est la vantardise, c'est le doute. Le combat que nous menons, c'est avec la parole. Alléluia. Les disciples de Jésus combattent avec la parole. Jésus dit, la parole est esprit et vie. Les disciples de Jésus ne donnent pas de chapelet, ils ne donnent pas le sel à manger, de l'eau à boire. Ils parlent. Alléluia. Lisons le verset 13 de 2 Corinthiens chapitre 4. Les disciples de Jésus ne posent pas la Bible sur la tête pour te délivrer. Ils ne posent pas un morceau de bois. Ils ne te frappent pas avec le crucifix. Pas d'encens. Ils parlent. Alléluia. Lis. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous avons parlé. Amen. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu as reçu de lui le pouvoir de proclamer tout ce que tu crois. Et ça va s'accomplir. Si tu dis, Jésus, va me bénir. Ça va s'accomplir. Peut-être dans 100 ans ou 150. Si tu dis Jésus m'a béni, la bénédiction va t'habiter. Alléluia. Ce que tu crois, tu le proclames. Et ça te donne la vie. Si tu dis je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, tu verras que la mort va commencer à t'encercler. Tu vas commencer à voir les ancêtres qui sont décédés. Après, tu verras les accidents, les maladies vont commencer à s'approcher. Si tu dis, je suis vainqueur, alléluia, tu vois tes ennemis qui descendent et deviennent tout petits. Si tu te plains, Dieu s'arrête. Il dit, tu es en train de rendre obscurs mes plans. C'est-à-dire que tu es en train de barrer la voie à Dieu. Tu l'empêches de venir t'aider. Est-ce que nous sommes ensemble? La même bouche, la bouche qui adore Dieu ne doit pas maudire, ne doit pas mentir, ne doit pas se plaindre. C'est la bouche qui bénit Dieu, qui l'invoque.
Dis à Dieu, j'ai obscurci tes desseins dans ma vie. J'ai parlé sans réfléchir. Dis à Dieu que dont le bonheur était sur mes lèvres. L'homme se nourrit, il nourrit son âme des paroles de sa bouche. Quand tu dis je suis fatigué, ça me fatigue. Ok, Dieu dit bon d'accord. Et puis tu sens maintenant tes muscles commencent à te lâcher pour accomplir la prophétie de ta bouche. Est-ce que nous sommes ensemble? Commence à prier, dis Seigneur pardon, cette bouche, je l'ai salie. Ori kabala zama sai kabune gloria alba chantar masiba. Ori abakashuru nakabaka sanga bakashara. Koro bakashiri nakabaka laka sanga raka shiri abakana. Ora bakashuru nakabaka laka shara nakabaka laka shara kabaka. Holy kende rimba la tama sama raka shira raka sanga. Gobaka haraka baka joro raka baka halaga jere makala masema raka sengere ba komba raka letere kasamba kasongo kashika bana kende rike le bana zone kaba reta bala samba rikana mana goria bala kasangere maluka antana re kabuni o ria kala bala bana o ria kala bala bana o ria kala bana bana kala bana kala bana kala bana kala bana kala bana baka shara na baka bana. Ori dal basha kala mala mala. Guru baka shara ga baga laga shoro ga laga baga shoro ga laga baga shoro ga laga baga shoro ga laga baga laga shoro ga laga baga shoro ga laga baga shoro ga laga baga shiri ga laga baga. Ori dal laga baga shara ga baga laga shara ga laga baga shiri ga laga baga shoro ga laga baga shara ga laga baga shara ga laga baga shiri ga laga baga. Guru ga baga shara ga laga baga shiri ga laga baga shara ga baga. Oh Señor. Commence à chanter des louanges à Dieu. Chante-lui n'importe quel cantique que tu aimes. Ensemble, adorons le Seigneur. La Bible dit que chantez au Seigneur un cantique nouveau. Chante au Seigneur un cantique nouveau. Laisse ton esprit s'élever pour se connecter à lui. Le combat que nous menons demande que ton esprit se connecte à Dieu. Tu es roi, tu es Seigneur, tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur, tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur. Tu domines sur la terre, tu domines sur les mers, tu domines sur la terre, tu domines dans les cieux, tu domines dans les lieux élevés. Tu es Seigneur éternel, tu es assis sur le trône à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, ô Jésus de Nazareth. Proclame que ton nom c'est Jésus de Nazareth. Ton nom c'est Jésus de Nazareth. Ton nom c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Kalama shalama kalama shalama kalama. Dis Seigneur, je connais ton nom. Ton nom est Jésus de Nazareth. Ton nom c'est Jésus de Nazareth. Kola bakashara bakala 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 bakala. Glory kala masenga rimakan bala masenga.
Kona bakashara bakana.